What's up les gens, comment ça va? Aujourd'hui une nouvelle vidéo très rapide. Donc dans l'ancienne vidéo je vous avais promis que je vous montrerais comment on change une sonde lambda. Là je viens de recevoir mon petit SMS de Chronopost me disant que mon colis est enfin arrivé au point relais colis à côté de chez moi. Donc là comme on peut le voir je rentre tout juste du travail. J'ai même pas eu le temps de me changer, j'ai encore ma petite chemise des familles. Mais pas grave, je bricolerai à l'ancienne en chemise. Parce que comme dirait Makelele, on bat les couilles. Hein. Donc je suis à bord de mon vaisseau spatial qui ressemble plus à un CRV qu'à une Civic. Je vais m'en aller chercher mon petit colis et puis on va le déballer direct après. Donc voilà, je suis de retour. Donc je suis allé chercher mon petit colis. On va voir ce qu'il y a dedans. Ça peut être. La voilà. Donc maintenant il faut juste espérer que c'est la bonne référence pour la mienne. La voilà. Donc c'est une sonde lambda que j'ai commandée chez Bosch. Enfin chez Bosch non. Chez Pièce Auto 24. Elle était à 39 euros plus les frais de port 49 je crois. Putain je viens de la rayer. En même temps on s'en fout vu les... la chaleur qu'elle va prendre. Donc c'est pas une universelle, j'ai quand même pris avec la prise d'origine. Si la mise au point va se faire. Non, bah là c'est pas grave. Et ce qui est bien, c'est qu'elle arrive déjà graissée. Comme ça, pas de problème de grippage ou je sais pas. Donc maintenant, on va la monter. Bien sûr, la première chose que vous avez à faire, c'est d'ouvrir votre capot, d'enlever la tirette d'huile. Donc là, sur certains modèles de Civic, vous avez deux sondes lambda. Une sur la ligne, après le catalyseur, et toujours une sur le collecteur. Elles sont pas toujours placées à cet endroit-là sur les collecteurs. Elles peuvent être placées même sur le dessus, comme sur une G4 VEI. Ou bien sur les EJ6, si je me trompe pas. Si vous avez un collecteur inox, vous avez juste à la dévisser directement. Donc ce que je vais faire, c'est commencer à enlever les 4 vis. Ensuite, vous devez débrancher la sonde lambda pour faire passer le cache le long du fil de la sonde. Donc, je ne sais pas si on la verra, la prise, je l'avais déjà montré dans l'autre vidéo, la prise qui est là, qui va directement jusqu'à la sonde. Et je fais glisser mon cache le long du fil. La logique voudrait qu'avec une T22, vous ayez juste à la mettre et tourner. Mais la plupart du temps, c'est hyper grippé. Donc ce que vous avez à faire, c'est chauffer au chalumeau tout le tour. Et après, la dévisser. Moi, je sais qu'elle sera hyper sympa à dévisser, vu que je l'ai changé il n'y a pas si longtemps que ça. Donc là, c'est bon. Hop. Il manquait des morceaux en fait et j'ai entendu un bruit métallique tomber dans la descente de collecteur. Donc par préférence vendredi je vais démontrer le collecteur. Si votre sonde n'a pas de graisse, je vous conseille d'en mettre sur le filetage de la graisse haute température si possible. Après ce sera toujours mieux que rien mettre et ensuite vous l'enfilez et vous la vissez. Rien de plus simple. Donc j'ai pas retrouvé ma clé de 22, du coup je vais y aller à la clé à molette. J'ai pas serré trop fort non plus, il faut serrer quand même fermement mais sans non plus l'arracher. Hein. Donc là, avant de la rebrancher, je vais faire passer mon câble afin de me retrouver bloqué une fois l'avoir branché. Là, ce qui est souvent fourni avec les sondes lambda, c'est un petit bout de caoutchouc en forme de cylindre qui vient se placer dans la gouttière ou dans la petite attache en métal. Génial, le cliquet qui tombe sur le pare-choc, j'adore. Donc là, je fais passer le petit caoutchouc dedans pour que la sonde ne se balade pas et je viens brancher ma sonde lambda.
et je n'oublie pas de remettre ma tirette d'huile. Donc si cette vidéo t'a plu, n'hésite pas à t'abonner, à aimer, à partager, à faire ce que tu veux. Et dans la prochaine vidéo, je ferai gagner une sonde lambda toute neuve. Celle-ci en général.